Vous êtes à l'écoute de Radio MF. Let's leave it and let it. You are listening now to MF Radio. مرحبا بكم على أمواج إذاعة الفاتر، الإذاعة الأكثر استماعا. أتمنى لكم صباح حسن الأوقات. كونوا أوفياء. Enjoy and keep listening. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. C'est la maîtresse Aïcha de la quatrième année avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin sur les ondes de notre radio MEP. Malgré ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre cher pays, on essaie et on se force bien sûr de se battre et de continuer notre devoir, chacun de son côté. Nous, autant qu'enseignants, à vous rassurer, et à vous assurer la continuité de vos cours et à être disponible pour répondre à toutes vos questions. Et vous, en tant qu'élève, à vous impliquer dans ce processus éducatif et à vous engager en réalisant à chaque fois le travail qui vous a été demandé avec un sérieux et une détermination incomparables. Il faut croire bien fort qu'on est capable de passer à travers cette épreuve et de freiner, voire même vaincre ce virus avec notre volonté et notre implication. Je vous laisse maintenant avec les élèves Nouha Bloundi et Mohamed Amil Arji pour vous donner plus d'éclaircissements à propos du Covid-19 ou le coronavirus. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. Bonjour, je m'appelle Nouha Bloundi et je suis là pour vous parler du Covid-19. La maladie Covid-19 est apparue en Chine fin 2019. Elle est causée par un virus qui appartient à la famille des coronavirus. Ils peuvent aussi bien provoquer un simple rhume qu'une grave infection respiratoire qui peut devenir mortelle dans certains cas. Les personnes touchées peuvent ressentir un mal de gorge, une toux, de la fièvre et dans les cas les plus sévères, des difficultés respiratoires. Mais ne vous inquiétez surtout pas, car il est tout à fait possible de se protéger contre ce virus. Il vous suffit de suivre les indications et les conseils que va vous présenter mon camarade Mohamed Amin El Arji et que Dieu vous protège.
Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. Bonjour chers camarades, je m'appelle Mohamed Amin Larji. Je suis là pour vous parler des gestes simples à adopter pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus. Il suffit de vous laver très régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir, puis jetez-le. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Chers apprenants, malgré la distance qui nous éloigne, due à la pandémie du coronavirus, vous êtes toujours présents dans nos pensées, nos soucis. Depuis le 16 mars, nos établissements scolaires sont fermés. Des millions d'apprenants vont donc rester chez eux de longues semaines. Alors, vous êtes liés à vos enseignants à distance. Mais comment bien s'occuper de soi? Dû au confinement, il faut créer diverses activités pour ne pas s'ennuyer. La première activité à faire, c'est découvrir de nouvelles histoires. Emprunter un livre de quelqu'un de votre famille, sans doute est un bon conseil. Selon ces mêmes dans l'écriture, écrivez tout ce que vous pensez. Après, vous allez constater qu'il est vraiment utile. Révisez vos cours et n'oubliez pas que votre éducation scolaire est primordiale. Vous devez donc réviser pour mettre toutes les échéances de votre côté et réfléchissez à votre avenir. Pour vous distraire, vous êtes confiné avec des personnes que vous aimez. Vous pouvez faire des jeux de société, des puzzles et plein d'autres jeux. Le confinement ne durera pas éternellement. Et n'oubliez pas que vous êtes très cher à nous. Vous êtes le cœur palpitant. On se rencontrera très prochainement, Inch'Allah. On vous aime tous. Maintenant, je vous laisse avec quelques apprenants qui vont partager avec vous leur journée après presque un mois en confinement. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. Et auditrice, je m'appelle Liban Chouh, élève de CE2. À cette occasion, je tiens à remercier notre maîtresse de leur effort. À cause de la rupture des études en classe, je m'occupe à faire mes exercices, apprendre mes leçons et lire des histoires. J'exploite le moment de ce fléau de COVID-19. Pour améliorer mes connaissances et ma culture générale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. Bonjour, je m'appelle Marwa Ait Mousrid. Je suis en troisième année. Voilà comment je passe ma journée pendant cette période de confinement. Comme tous les enfants, je reste chez moi. Je suis mes études à distance à l'aide de mes professeurs. Alors, je me lève tôt. Je prends mon petit déjeuner, puis je fais mes devoirs. Je fais la prière avec mes parents. À l'après-midi, je poursuis mes révisions. Le soir, je lis une histoire, parfois je fais un jeu de puzzle et je m'amuse avec ma famille. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Et demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout.
Bonjour tout le monde, je suis Hidaya El-Malawi, élève en CE1. Même si nous sommes privés d'aller à l'école, je fais de mon mieux pour ne pas perdre mon temps. Je lis et je fais mes devoirs, je révise mes leçons et je joue avec mon petit frère. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. Chers auditeurs, notre radio scolaire touche à sa fin. Je tiens à remercier ma collègue maîtresse Khadija Chtouane pour sa collaboration, ainsi qu'un grand merci pour nos très chers élèves. Je tiens aussi à vous signaler que la radio d'aujourd'hui avait pour but de vous rappeler qu'on est toujours en cours de confinement. Et aussi dur et lent que ça peut paraître, il ne faut pas laisser place au désespoir. Continuez votre travail, organisez votre temps, amusez-vous et passez de bons moments en compagnie de votre famille. Et n'oubliez pas que rester à la maison, c'est rester sain et sauf. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec que dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal. Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. Encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort.